Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 3 février 2021. 13h20 du Québec, j'espère que vous allez bien. On peut penser qu'on retrouvera une vie normale dans les mois à venir. On peut l'espérer, mais on n'est pas sorti de nos euh, problèmes et de nos défis. D'abord, le premier étant de revenir à une vie normale, hein? à des comportements euh, qui existent depuis des milliers d'années, se donner des accolades, vivre en société, avoir une interaction entre nous, se serrer la main, célébrer, fêter. Espérons que ça ne disparaisse pas. Espérons que les gens n'auront pas la crainte et la phobie développée par la suite, qui ferait qu'on perdrait... Euh, toutes ces traditions euh, millénaires. Enfin, je l'espère. Bon. Pendant ce temps-là, en France, on a eu la tempête Justine qui a frappé fort. Pas besoin de vous dire qu'on est dans un changement climatique euh, majeur, cyclique, historique. Et c'est partout. On ira voir ça euh, plus en détail un petit peu plus tard. Mais là, je voulais juste m'attarder sur cette tempête. Euh, euh, cette tempête euh, Justine. C'est peut-être pas un record, mais cela représente tout de même une sacrée hauteur. Dans l'après-midi du samedi 30 janvier 2021, une vague a été mesurée à 17,40 mètres par la bouée. Les pierres noires, cette balise située à l'entrée de la rade de Brest dans le Finistère, à seulement 9 km de la côte, donne la hauteur de la houle en temps réel et est un outil bien utile pour les surfeurs. Imaginez-vous une mètre de 17, une vague de 17,40 mètres. Dans nos bulletins météo, on a annoncé la valeur moyenne des vagues prévues, c'est-à-dire entre 8 et 9 mètres, mais généralement, on s'attend à mesurer jusqu'au double en vagues extrêmes, explique Michel Edo Nidis. La période nous préoccupait justement beaucoup parce que le, le temps qui s'écoulait entre deux vagues consécutives tournait autour de 15 secondes. Donc, tempête euh, puissante. Euh, la tempête Justine a laissé des traces en Nouvelle-Aquitaine ce lundi de nombreux cours d'eau ont débordé provoquant des inondations essentiellement en Gironde dans les Landes le Lot et Garonne et Dordogne des images saisissantes je vais vous laisser ça dans la boîte de description mais il y en a une euh, quelques photos entre autres qui sont spectaculaires vous allez avoir ça dans la boîte de description naturellement pour des raisons euh, évidentes là, de Comment dire? Euh... Oh, je trouve mon lien. Pour des raisons évidentes de droit d'auteur. Et c'est euh, une vague déferlante qui semble montrer le visage du redoutable dieu de la mer, Poséidon. Et quand tu vois l'image, c'est vraiment, vraiment saisissant. Tu peux l'imaginer. Euh, c'est fascinant. Une vague s'écrasant contre une digue lors d'une tempête en France a semblé montrer le visage de Poséidon dans une série d'images époustouflantes. Poséidon, Poséidon était, le, était le dieu de la mer, hein, des tempêtes, des tremblements de terre et des chevaux dans la mythologie grecque et était souvent représenté sur un char tiré par des hippocampes. Le photographe français de 31 ans a déclaré que la vague de 30 pieds. Créaient des explosions de 150 pieds lorsqu'elles se sont écrasées contre les digues fascinantes, spectaculaires. Des images époustouflantes. On a vraiment l'impression de voir le visage de Poséidon. Il y a une couronne dans la crête de la vague. Vous allez voir, c'est fascinant. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description, cet article-là du Daily Mail. Et vous pourrez euh, par vous-même euh, voir ces images spectaculaires. On peut rêver. Hein? L'idée que Poséidon existe vraiment. Sait-on jamais? Je vais vous revenir avec plein de choses. On va aller faire le tour. Donc, tempête majeure, Justine. Hein? Le tour, de, du, justement, de ces tempêtes autour euh, du globe. Puis, je vous reviendrai aussi avec cette histoire de Greg Braden et de l'ADN qui nous prouve, les scientifiques nous prouvent qu'on ne descend pas de l'homme de Cro-Magnon. Non. On est une race distincte. On aurait peut-être été même euh, génétiquement modifiés selon la science. Donc, bougez pas, restez là!